Salut YouTube! Alors, c'est parti pour ce tout nouveau cache. C'est 44 tickets. Hop, et enfin, petite surprise, hop, c'est que j'avais acheté les derniers, la précédente version et je ne les ai pas encore grattés. Et vous avez en fait un mois avant que, une fois qu'il est sorti de la vente, pour encaisser les gains si jamais vous avez gagné. Mais bon, on va commencer par le tout nouveau cache. Alors, je mets les stats comme d'habitude en fin de vidéo sur mon groupe Facebook et sur mon tout nouveau blog Jeux et Voyages. Il y a toutes les statistiques, tous les résumés synthétiques en un clin d'œil. J'ai passé pas mal de temps et puis ça permet de comparer en fait, hein. Alors, je me mettrai un petit aperçu en cours de la vidéo ou en fin de vidéo. Bon, là, 6, 17, 26, 6, 17, 26. Ouais, je vais tout rechecker à la fin parce que la fois dernière, j'avais oublié quelques tickets. 6, 17, 26, 27, 33. 27, 33. Ça m'a l'air un peu perdu. Petite différence par rapport à l'ancienne mouture de cash. La FDJ fait des économies d'échelle puisque maintenant c'est 24 millions de tickets au lieu des 18 millions de tickets par bloc pour cette toute nouvelle version de cash. Et puis aussi tout récemment, la FDJ est passée à des carnets de 60. Bon, ça fait moins de plastique, ça fait moins de carnets à livrer pour le détaillant, et puis c'est plus facile et ça fait des économies d'échelle pour les 2318. J'avais lu ça sur internet. 2318, 2318, ça me semble un peu perdu. 27, 39, 27, ah dommage, 37, 27, 39, puis évidemment là c'est 29, ah, là, c'est juste inversé quoi. Mais forcément c'est 5000, et de là ils sont inversés, donc ça me semble un peu perdu. 24 millions de tickets. Ah oui, et 4 lots à 500 000 pour la nouvelle mouture, contre 3 lots contre l'ancienne mouture, mais ça reste toujours une chance sur 6 millions. Une chance sur 6 millions de tomber sur un ticket à 500 000 euros. Et par contre, le petit désavantage par rapport à ce nouveau ticket. Bon, je mets tout ça sur mon groupe, mon nouveau blog et sur le groupe Facebook. C'est que on a moins de chances de tomber sur un lot à 100 000 euros. Parce qu'il y a des lots à 500 000 et des lots à 100 000. 16, 25, 27, 16, 25, ah, 25. 27, bon, mon avis, c'est que 5 euros. 16, 25, 27. 28, 31. Ah non, hop, 28, 31. Donc un ticket à gagnant à 10 euros. Ouais, j'aime bien le mettre de côté pour pas me tromper. Et oui, c'est une chance sur 3 millions pour l'ancienne mouture d'avoir un lot à 100 000 euros. Et ici, c'est 3 400 000 et quelques, je crois. Donc bon, un peu moins de chance de gagner. Comme d'habitude, tout est réparti au premier rang. Et à mon avis, ça va pas s'arranger, ça va être de pire en pire. 4, 13, 14. Mais bon, enfin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au final, il n'y a quasiment aucune chance de gagner. Il faut vraiment avoir du bol. Et je publie aussi là sur nos nouveaux sites comment. Enfin, faut pas s'acharner. Les habitudes de jeu, les carnets, est-ce que c'est rentable? 4, 13, 14. Ça me semble perdu. 4, 13, 14, 26, 31, 26, 31. Ça me semble perdu. Ouais, parce que dans un carnet, bon, j'ai fait un petit article à ce propos.
En fait, dans un carnet, c'est réparti de telle sorte qu'il y ait des gagnants et des perdants. Et vous avez, c'est quoi? C'est pour la nouvelle mouture, c'est 3 chances sur 4, donc ça doit être 45 si vous achetez un carnet à 60 tickets. Statistiquement, en moyenne, il y a 45 tickets perdants. 45, c'est les 3 quarts. Hein. C'est... 45 tickets perdants sur 60, c'est énorme, et il y a 15 tickets gagnants. Alors bon, si parmi les 15, il faut évidemment toucher, on va un minimum 2 fois 50 € si vous voulez être supérieur à votre mise de départ. 8, 19, 34. 8, 19, 34. 8, 8. Ah, 20 €. 19, 34, bon j'y crois pas trop, après 8, 19, 34, c'est la première fois que je vois un 20 €, 36, 38, 36, 38, oh c'est cool. Alors oui, donc moi j'ai pas acheté de carnet, j'ai acheté des lots, des quelques tickets dans plusieurs points de vente, 5, 6 ou 7 je crois, donc et disséminé. Et plusieurs à des moments différents. Comme ça, ça permet de répartir les chances. Alors bon, c'est pas forcément une règle magique. Hein. Si vous achetez un carnet entier, vous pouvez très bien tomber sur un lot, je sais pas, 10 000, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Mais bon, les chances sont minimes. Moi, je préfère répartir les chances dans les points de vente. Parce que si vous achetez toujours dans le même point de vente... il se peut très bien qu'il n'y ait jamais de gros lot dans ce point de vente. Hein. 2, 4, 18... 2, 4, 18, hop, je ne le vois pas, 2, 4, 18, 22, 30, 22, 30, ça me semble un peu perdu, bon, je vais tout checker à la fin de toute façon, bon ceux-là ça va, ils sont faciles à contrôler quand même, il y a d'autres tickets qui sont plus galères, allez hop, au suivant, hop, hmm. 3, 19, 3, 19, 30. 3, 19, 30. 3, 19, 30. Non, je ne le sens pas trop. 3, 19, 30. 32, 34. 32. 34. Non, ça a l'air de tomber genre plutôt à côté. Donc, ouais, plus d'une chance sur 4 et une chance sur 3,80. Et le précédent, c'est 3,83. Donc, c'est minime, hein, vous allez me dire. Mais bon. Après, tout est réparti dans les lots très inférieurs pour les petits gains, en fait. Hein. Enfin, c'est le concept, c'est pour que la FDJ... ce soit rentable plus pour la FDJ que pour les joueurs. Et c'est ça le concept en fait. 9, 12, 17. Ah, dommage, 7, 9, 12, 17. Attends, je ne veux pas que je me déconcentre de trop. 9, 12, 17, 29, 39. 29, 39. Donc, on va dire, on va arrondir facilement une chance sur 4. Donc, ça fait 3 tickets perdants sur 4. 3 tickets perdants sur 4. C'est énorme, hein. C'est tout simplement énorme. Voilà, c'est la moyenne que la FDJ cite. Hein. Pour l'ensemble des tickets, mais pour d'autres tickets, ça va à une chance sur 3. Alors tout ça, je mets sur mon nouveau blog. Il y a tous les récapitulatifs en un clin d'œil. Franchement, j'ai bien travaillé. Et puis, c'est des mises à jour semi-automatiques. Et l'avantage, c'est que c'est la version fidèle de ce qu'il y a sur le site de la FDJ. Et puis, bon, le site va s'enrichir évidemment de 4.17, de 4. 17, 2, 4, 17, bon, 12 évidemment, 2, 4, 17, 18, 30, 18, 30, bon évidemment là c'est 38, 18, 30, bon, ça me semble perdu, donc tu as 3 tickets perdants sur 4, c'est, en fait à chaque fois, j'y croyais pas, mais en fait c'est un truc de fou, hein. Allez hop, il faut que je regarde ma caméra parce qu'en fait à un moment donné elle s'arrête, donc il faut que je le fasse en deux temps. 9, 13, 18, hop, 9, 13, 18, oh, je ne sens pas trop, 9, 13, 18, 9, 13, 18, 28, 29, 28, 10 €, bah c'est bien,
28, 29, hop, 3 tickets. Oh, pour l'instant, je suis à peu près dans la moyenne des jeux. Alors, les tickets, hein, je ne les ai pas triés ou quoi que ce soit. Hein, Et là, qu'est-ce que ça donne? 16, 24, 28. 16, 24, là, non, là, je ne l'ai pas déjà. Moins 30, 36, 30, 36. Non, perdu. Ah, suivant. Attends, ici, on fait comme ça. On va peut-être plutôt faire comme ça d'abord. 9, 15, 24. On va changer. 9, 15, 24. Ah, le 15. 9, 15, 24. 9, 15, 24. Donc, je vais mettre 5 euros. Ouais, forcément. 9, 15, 24. 35, 36. Ah, dommage. Ouais, 25. 35, 36. 35, 36. Donc, un ticket à 5 euros. Oh, suivant. Hop. Alors, ça, c'est le nouveau cash. Hop. Et ça, c'était l'ancien cash. Ah ouais, ils ont fait quand même des efforts. C'est vrai que le nouveau ticket est vachement beau. Hein. Mais bon. C'est juste pour empâter. Hein. Les chances de gagner sont vraiment hop, ridicules. 18, 22, 27. 18, 22, 27. Donc évidemment, je déconseille d'acheter un carnet. Hein. J'ai mis tout ça sur mon blog. Il faut prendre des tickets disséminés. Hein. Vous en achetez un de temps en temps. Et puis, faut varier, pas dire les plaisirs. Mais parce que, bon, vous allez plus souvent perdre que gagner. 18, 29... Attends, je me suis... 18, 22, 27... 18, 22, 27... 29, 35... 29... 35, bon évidemment, 25 et 19, 29, 35, donc ça me semble un peu perdu, vaut mieux répartir ses chances, changer de jeu, après, bon, il n'y a pas de règle, hein. Comme j'essaie de suivre sur internet tous les gros gagnants, bon après c'est pas exhaustif, hein. Mais bon, soit il y a des habitués de chez habitués, soit il y a des joueurs occasionnels où il y a des joueurs justement qui ont changé leurs habitudes. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. 8, 17, 18. Voilà, 7, dommage. 8, 17, 18. Ça me semble un peu perdu. 32, 35. Hop, hop, hop. Perdu. Oh là là. Pas une bonne série là. Hop. Et là, qu'est-ce que ça donne? 1, 6, 27. Pas la bonne série là. 1, 6, 27. 1, 6, 27. 34, 35. Non, je pense que. 34, 35, je ne les ai pas vus. Non, c'est perdu. Hop. Suivant. 10. Ah, et le 17, attends. 12, 17, 18. 12, 17, 12, 17, 18. 12, 17, 18. Ah oui, puis pour l'ancien cash, si vous en avez encore. Après, j'ai quand même fait attention, mais bon, j'avais souvenir, comme je suis exactement les stats des jeux, les jeux qui sortent, les nouvelles publiées, etc., les nouveaux jeux. Généralement, une fois qu'il est sorti de la vente, vous avez un mois pour encaisser, enfin, si vous avez gagné. 12, 17, 18. Ouais, 5 euros, évidemment. Bon, ça se voit quasiment tout de suite. Hein. Enfin, ça peut être 500 000, tu me diras. 12, 17, 18. 12, 17, 18. 33, 34. Hop, 33, 34. Donc, ça me semble. Enfin, il n'y a pas d'autre gain. Hop, suivant. 2 tickets à 5, 2 tickets à 10, 1 ticket à 20. 2 remportés pour l'instant. Allez, allez, allez. Ouais, je sais même pas quel jeu en fait. Enfin, si on gagnait, s'il y avait des martagales, quel que soit le jeu, même dans les paris sportifs, ben, je pense que ça se saurait en fait.
Et après, sinon, faut miser beaucoup. Mais si vous misez beaucoup, vous risquez de perdre beaucoup aussi. Et endettement, etc. 7, 19, 25, 7. 19, déjà 40 tickets, c'est la folie. 7, 19, 25. 7, 19, 25, 31, 37. 31, oh, 31, 5 euros. 31, est-ce que j'ai le 37? Non, il n'y a pas l'air. Donc, ça fait 5 euros. De toute façon, il y a énormément de lot dans les rangs très, très inférieurs. Et puis, une chance sur 6 millions de tomber sur un lot à 500 000. Bah, tu me diras, c'est jackpot, c'est une chance sur 7 500 000. Donc, ouais, c'est ça. Un jackpot, en fait, bah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Jackpot, c'est le ticket à 2 euros là, mais bon, bah, quasiment encore, il y a moins de chances de gagner. 6, 7, 23, 6, 7, 23, hop, c'est perdu. 6, 7, 23, 29, 37, 29, ça me semble un peu perdu. Hop, hop, suivant. Perdu. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne YouTube, sur mon groupe Facebook et prochainement, une fois que j'aurai activé ça, sur mon tout nouveau blog 411 24 31 40 31 40. Ça me semble genre un peu perdu. Bon, attends, on va changer parce que on va arriver un peu plus de 15 minutes. La caméra va s'éteindre. On va prendre un ancien cache. Allez, jackpot. Ouais, 29. Ouais, je crois que c'est marqué 5. 6, 8, 29. 6, 8, 29, bah ouais, 5 euros. Hop. 6, 8, ah, dommage, 4, 7, 6, 8, 29, 35, 36, 35, 36, non, j'ai gagné 5 euros avec l'ancien cash. Attends, bah oui, j'en ai mis plus 3, je crois. Donc, hop, on va reprendre une autre. Ouais, j'en ai pris 3. Parce que je pensais, bah, ouais, parce que dans d'autres points de vente, apparemment, de ce que j'ai vu sur mon groupe Facebook, c'est que les nouveaux tickets cash étaient déjà dispo. Ça dépend les points de vente. Hein, peut-être, ça peut être, je sais pas, dans les dom-toms, hein, je ne sais trop rien, moi, ou dans d'autres points de vente. Mais là, au moins dans le Nord, ben, y a, c'était genre. Il fallait attendre le lundi 2-4-15. Ça me semble genre un peu perdu. Hop, 2-4-15, 18-29, 18, 19 évidemment, 18-29. Donc c'est perdu. Hop, suivant, bon, on va prendre les nouveaux. Alors, on a. Alors, au final, bah, les chances sont quasiment équivalentes de gagner les petits lots. Pour les gros lots, eh ben, on a moins de chance. Pas de bol. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. 6, 14, 27. 6, hop. 14, 17, 24, évidemment. 6, 14, 27. 6, 14, 29, 37, 29, 37, ça me semble genre un peu perdu. Non, parce qu'il y a mon truc qui dérive chaque fois. Voilà. 9, 15, 9, 15, 21. 9, 15, 21. Non, 8 et 9, 9, 15, 21, non, je ne sens pas trop, 9, 15, 21, 36, 38, 36, 38, bon, ça ne veut rien dire, hein. 36, 38, non, je ne les vois pas, hop, suivant, 'ai fait des petits trucs sympas là sur mon nouveau blog pour comparer en un clin d'œil. Je trouve que c'est vachement pratique, hein, parce qu'à chaque fois on se pose toujours la même question. 1, 2, 3. Alors là, si je gagne,
que c'est tous les gros numéros, évidemment. 12, 18, 12, hop, donc c'est 13, Nathan, 12, 18, ça me semble genre un peu perdu. Hop, suivant. Ah, les gros numéros, et ici, 3, 22, 3, 8, 3, 8, 22. 3, 8, 22, 3, 8, ouais, 38, 3, 8, 22, ah non, je ne les vois pas, on va faire checker, mais bon. 3, 8, 22, 32, 40, 32, et 40, hop. Allez, hop, bon, je sais pas, ça doit être à peu près à la moitié. Allez, il faut tomber là sur un 100, et sur mon groupe Facebook, des gens, ils publient des fois, c'est 500, bon après, c'est sûr, on publie rarement, enfin moins rare, de toute façon moins fréquente, les tickets perdants, 8, 15, 17, hop, 8, 15, 17, ah dommage, hein, ça tombe juste à côté, 8, 15, 17, 8, 15, 17, 25, 31, 25, 25, 31, voilà, ouais, perdu. Allez hop. Mmh. 6, 12, 18, attention, je vais checker. Ah non, de toute façon, après, il y a des tickets qui se ressemblent, hein, enfin, qui sont voire même quasiment identiques, hein, dans les tickets perdants. 6, 12, 18. Ah, sinon, tu imagines toutes les combinaisons, toi. 6, 12, 18. Et puis c'est sûr que ça peut être plus dur à programmer. 6, 12, 18, 38, 40. 38, 40, perdu. Ah, je crois que je vais reprendre un vieux cache. Alors qu'est-ce que ça donne? Ah, des gros numéros. 12, 21, 22. 12. 21, 22, non, 12, 21, 22, 23, 33, 23, 32, non, allez, allez les bleus, ah, le mois prochain c'est pareil, il y a un nouveau ticket qui sort, je ne me souviens plus ce que c'est, je crois que c'est un ticket à 3 euros, je ne sais plus. 1, 25, 27. Non. 25, 22. 1, 25, 27. 30, 34. Oh, la mauvaise série. 30, 34. Non, je ne les vois pas. Allez, hop. Allez, il y en a gagnant. C'est 3 tickets perdants sur 4. Hein. À un moment donné, il faut que je gagne quand même. Hein. 6, 12, 22. 6, 12, 22. Non, je ne les vois pas. 6, 12, 22. 37, 40. 37, 40. Non. Bon, je crois qu'il n'y a quasiment aucune chance de tomber. Même bah, sur 10 000 euros, je sais pas. Il n'y a pas beaucoup de tickets, de toute façon, à 10 000 euros. 2, 3, 1, 2, 2, ouais, enfin, évidemment, 2, 5 euros, 2, 3, 13. Allez, non, ça va être un ticket à 5 euros, je pense. 2, 3, 13. 2, 3, 13. 2, 3, 13. 22. 22, 39. 22. Hop, 39. Non, un ticket, 5 euros. Hop, bon, c'est toujours bon à prendre. Ah, des gros, voilà, 4, 8, 32, 4, 8, 32, ouais, c'est ça. 1, 40, dommage, 4, 8, 32, c'est beaucoup de 30, hein, 4, 8, 32, non, je ne les vois pas. 4, 8, 32, 37, 38, 37, non, ça me semble un peu perdu. Ouais, il ne reste plus beaucoup de tickets. 1, 2, 9,
6, 14, 21. 6, 14, ça craint, non. Et là, je croyais acheter deux carnets, toi. Le ouf. 6, 14, 21. 6, 14, 21. 38, 39. 38, 39. Non, 28, là. Oh là là. Allez, allez, la FDJ. 6, 13, 21. Ah, 6. Ah non, ouais, c'est ça, 6. Ouais. Ah, 10 euros. Après, ça peut être 50. Hein. 6, 13, ça pourrait être bien, là. 6, 13, 21. Bon, c'est mal parti. 6, 13, 21. Peut-être 20. Il y a des lots à 20, 20 euros, je crois. 6, 13, 21. Puis en espérant que je me suis trompé, que j'ai oublié 10 euros. De compter 10 euros. 36, 40. 36, 40. Non, ticket gagnant à 10 euros. Hop. J'ai cru voir. Attends, il y a le 30 là. 15, 21, 26. 15. 15, 21, 26. Non, je ne les vois pas. Ah, il y a le 21. Hop, 5 euros. Bon, c'est un ticket peut-être gagnant à 10. 15, 21, 26. 30, 34. Donc il y a le 30. Et 15 euros, je crois qu'il n'y a pas. Donc ça fait 10. Bon, ça va, ça se prend. Allez hop. Suivant, bah, se termine. Bon, ceux-là, ils sont faciles à gratter. Hein. 14, 26, 31. Ah, dommage, et 36, 21. 26, 31. Ouais, évidemment. Hein. Ça fait exprès ou quoi? 14, 26, 31. Il n'y a pas de risque d'erreur. 14, 26, 31, 37, 38. 37, 38. Bon, évidemment, 39. Je crois que j'ai déjà gagné une fois 50 euros. Enfin, plusieurs fois même 50 euros. Bon, après, c'est des petits lots. Le mieux que j'ai gagné, je crois que c'était 150 euros avec un millionnaire, si je dis pas de bêtises. La mission patrimoine aussi, une fois, j'avais gagné pas mal. Moi, dans les sons rouges, je crois. 9, 24, 25. 9, 24, 25. Et oui, puis pour mon groupe, enfin mon nouveau blog sur la FDJ, c'est qu'on va tout historiser les tickets. C'est ça qui va être cool. On va voir tout, on va se souvenir de tous les vieux tickets. Enfin, bon, j'ai pas tout, évidemment, pour l'instant. 9, 24, 25. Mais à force. 9, 24, 25. Non. 9, 24, 25, 32, 36. Le lien est sous la vidéo. Attends, j'ai dit quoi? 32, 36. Non, 26. Ouais, non, c'est perdu. Hop. Au suivant, 11, 27, 29, 11. 27, 29, ouais, 25, 26. Ouais, 11, 27, 20, 11, 27, 29, 36, 40, 36, 40. Paye, bon, attends, on est marre. Hop, hop, prends l'ancien cash. Ouais, après, le but, c'était de faire une vidéo sur le nouveau cash quand même, mais bon. Hop, 7, 16, 17. 7, 16, 17, on sait jamais, hein. Je peux tomber sur un gros lot. Hein. De toute façon, ce qui est tout à fait possible, c'est qu'il y ait des gros lots qui, comme ils changent le nouveau ticket par l'ancien, c'est qu'il y a des, il reste des tickets, des vieux tickets, ils pourraient très bien avoir des gros lots. Donc nous, on a acheté comme des babaches, et puis et le gros lot, il sera jamais remporté. Voilà, pour les anciens cash, hein. 27, 30. 37, 27, 30, non, c'est perdu. Hop, suivant. Heureusement que moi j'ai plusieurs tickets à 10 euros quand même. 13, 31, 34, 13, 31, 34, 13, 31, 34. Non, je le sens pas trop. 13, 31, 34, 35, 40. Non, ouais.
Hop, ça se termine en fin de vidéo. Le tableau récapitulatif, de toute façon, même le tableau récapitulatif, il sera sur mon blog, hein, il sera mis à jour quasiment en live avec les commentaires. Comme ça, ça évitera qu'on se pose à chaque fois la même question. 16, 27, 29, 16, non, pardon, 16, 24, 27. Alors, peut-être un peu de chance hein, si j'ai 16, 24, 27. 16, 6, 16, 24, 27, 29, 40, 39, 29, 40, oh, non, non, zut. Ça se termine. Hop. Bah, 3 tickets perdants sur 4, hein, je vous dis, hein, qu'est-ce que vous voulez? 9, 13, 21, 22, 37. 37, évidemment. 22, 37. Non, j'ai pas mal de 22. Ah, 37. 22. Est-ce que j'ai le 22? Non, je pense pas. Donc, c'est un ticket à 5 euros. Hop. Bon, je crois que le compte, il va vite être fait. Hein. Et c'est, on sait combien? En moyenne, sur tous les tickets, c'est à peu près 17%. 17%, hein, vous entendez bien, de remporter plus, 17% de chance, de remporter plus que sa mise. Donc autant dire, genre pas beaucoup quoi. 9, 15, 22. 9, 15, 22. Après il suffit, hein, ça, il suffit d'une fois, hein, tu me diras, hein, puis on regarde. Mais bon. Ne dépenser, il faut surtout pas dépenser si surtout là-dedans, 9, 15, 22, 24, 39, 20, ah, 24, ah, 50, ah, bah tiens, pour le dernier ticket, toi, oh, cool, ça va vraiment limiter la caisse là, 9, donc 22, 24, donc, à moins qu'il y ait un autre, il y ait le 22, attends, je vais rechecker quand même, 9, 15, 22, 9, 15, 22, 9, 15, 22, 24, 39, ah, il n'y a pas 20, 30, ah, bah, 39, bah, ça va être 100, ah, ouais, cool, ah, bah, purée, cool, un ticket en 100 euros. Ouf. Ouais. Oh. Enfin. Ah, ça faisait longtemps, hein, les 100 euros. Ah. Donc, on va faire le récap. 100, 120. Hop, il y avait 4 tickets ici. Ça fait 160. 170, 181, 190. Bon, ça va. Ah, j'ai super bien limité la casse. Ah, dommage, j'aurais pu avoir un ticket à 500. Bon, le récap à la fin. Et n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, dans tous mes groupes. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au prochain ticket à sortir.